Mais Thomas, je me trompe ou t'es en pleine réflexion là? C'est possible. Je m'en étais pas rendu compte, excuse-moi. Pour nos téléspectateurs, je pense que ça paraît relativement évident. Relativement évident, mais faut qu'ils m'expliquent ce qu'ils en pensent. Ça fait pas forcément beaucoup de recul. Oui. Il manque un deuxième point de vue là-dessus. Réfléchis en zoom en plus. Ouais. C'est ce qu'on appelle agrandir les détails. Dans la zoom zoom zem, nous allons nous concentrer sur Negrita. Bon, ouais. Negrita, elle réfléchit. Elle est particulièrement photo-hygiénique cette chienne. Tu veux bien me nettoyer un peu l'objectif, Negrita, s'il te plaît, avec ta langue? Tu veux le bâton? Negrita veut le bâton. Je vais prendre le bâton à deux mains. Alors, c'est une fourche, hein, ce bâton, c'est bien ça? C'est un bâton fourche. Il est fourchu, ce bâton. Hein. Attends, fais voir. Ah non. Ah, il est un peu fourchu, ici. Oh, il est bizarre, ce bâton. Oh, j'ai... Oh, ma main. Oh, elle est vraiment étrange. Mon Dieu. Oh, c'est bizarre. Revenez là, Negrita. Negrita et Negrita, ici. Negrita et Negrita. Voilà. Ah, c'est une vision tout à fait psychédélique de notre monde, n'est-ce pas? C'est un drôle... Ah, c'est un... Regardez-moi ça! Mais c'est le test de Becherel! Mais c'est un violon. Mais c'est un violoncelle! Alors, t'avais remarqué, toi, que Negrita, finalement, en fait, c'était un violoncelle? Ouais, elle fait beaucoup de musique. Le miroir, il est dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Oh la gueule! Oh Thomas, la gueule, je te jure! Ouais, tu m'as fait la tête au carré, là. C'est génial! Ah, mais les psylos, c'est complètement débile comme truc, hein. Ouais, en fait, c'est super important, mais t'imagines, tu te fais greffer dans l'œil, tu redescends jamais de toute ta vie. Hein? Toi, tu veux me filmer? Qui, moi? Ouais. Mais je sais pas filmer. Oh. Bah non. Hop! La caméra, c'est pour les malheurs. Je sais pas ce qui se passe à l'antenne. Viens voir ce que ça donne. C'est trop fort. Tu as la queue? Oh, mais la queue! Oh! C'est en fait un bison. L'art, c'est d'avoir un cadrage. Voilà, ah oui, ah là, le remuage de queue de Negrita, c'est quand même. C'est fabuleux. Oh, c'est vraiment. Ah, c'est un insecte très bizarre! Ah, mon Dieu, qu'est-ce que. C'est donc une sorte de roman photo. Nous sommes dans l'univers. De... Comment il s'appelle ce héros de bande dessinée là, ce savant venu d'une autre galaxie? Ah, t'as vraiment le profil, Tom. Ouais, peut-être, Tortue Géniale. Ah, c'est assez fabuleux, hein. Franchement, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Oh. Ouais, absolument. Finalement, j'en viens à croire que les machines sont quand même beaucoup plus créatives que les humains. Non, mais et Tom, tu vas voir, t'es génial. Non, là. Voilà, tu veux que je te dise, les machines, bah, elles sont majeures. Elles sont majeures, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais tu sais que t'as des mèches de cheveux qui rendent vraiment bien. Mais ouais, c'est un vieux sage. Je travaille mon image. Ah, mais t'es beau, Tom. Mais oui, je sais. Tu prends du beau, Tom, à vous. Ça conserve. Moi, je sais pas. J'ai un peu du mal à analyser la situation. C'est. Je crois que j'en ai un peu trop pris. Oh là là. Oh, qu'est-ce que je tiens. Là, bah, on est rentré dans une dimension beaucoup plus pop art, quoi. Plus. Ah ouais, les motifs derrière toi, c'est toi qui l'as fait. C'est ton skinhead aux cheveux blancs, la tendresse a vaincu, tu fais des... Exactement, a vaincu, même 40 cul, ouais. Ah ouais, ouais. Tout est possible. Ah, moi, ouais, non, mais c'est vrai que le cul, ça... Moi, ça nourrit pas mal la tendresse. Enfin, la tendresse ou la dureté, ça dépend. Et oui, le numéro de notre célèbre joueur de flûte mexicain... Avec le serpent à sonnette qui a sonne
Putain, c'est une vidéo qui fait peur, quoi. Je suis en train de perdre la netteté. Je me suis fait mordre.